They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Du président du conseil des élèves royal. Mais nous savons déjà qui sera notre présidente. Elle n'a aucun adversaire. C'est elle, Apple White. Blondie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne. J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les bals royaux, les collectes de fonds royaux, la nourriture royale en conserve, les... Royal par-ci, royal par-là, et royal de haut en bas. Oh, ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe. Je vais aussi me présenter aux élections. Tu es sérieuse? Votez pour Maddy. Votez pour moi. Des chapeaux valent des couronnes. Votez pour Maddy. Oh, salut Raven. Dexter, vote pour moi. Oh. Je veux dire, ouais, super, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce badge. Oh. Et c'est parti, chers amis des contes de fées. Le débat du conseil des élèves royal d'Ever After High. Ma première question est pour Apple White. Pourquoi une personne ne voterait-elle pas pour toi? Je n'ai qu'une chose à dire. Je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume. À la perfection. Merci. Une question pour Maddy maintenant. Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple? Serais-tu... folle? Absolument. Merci de l'avoir remarqué. Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands, le lac deviendrait-il moins grand? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais très bien. Ça fait trop longtemps que Apple est présidente. Maddy est folle. Moi, je viens d'avoir une idée démentielle. Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château pour ceux qui sont un peu plus grands que la moyenne. Je crois que c'est tout à fait envisageable, mais je dois vérifier ça avec la co-présidente. Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée, cela pourrait-il inverser les marées? Je ne te le fais pas dire.